Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue à Kerbal Space Program. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai pensé comme un grand philosophe. Oups, pas dans settings. Oups. Wow, génial. Très bon départ. J'ai pensé à un grand philosophe. À quoi servirait vraiment la Station Spatiale Carbone Nationale? Parce que, sincèrement, en fait, lorsqu'on y pense vraiment, cette station spatiale-là, oui, ok, on peut dire, ah, ils font des recherches scientifiques dedans, mais réellement, ce qui se passe, c'est pas ça, c'est juste les carbonautes, ils restent là, et blablabla. Bla, bla. Donc, j'ai pensé à l'utiliser pour faire du refueling. Et, RSA, je vois quelque chose. J'ai pensé à l'utiliser pour faire du refueling. Sauf que je me suis dit, même je vais faire du refueling, faut bien que bonjour. Faut bien que je sois capable de mettre des vaisseaux en place dessus, non? Et les ports qu'on a ici sont pas très, disons, propices à ça. Donc, premièrement, on va remettre Bob où est-ce qu'il était, parce que voilà. Oups, non. On va remettre Bob où est-ce qu'il doit aller, c'est-à-dire aux commandes de la station spatiale. Allez. Allez, Bob. Allez. Bon. J'ai essayé d'en prendre des moins stupides et des plus courageux cette fois-ci. Ben en fait non, c'est vrai parce qu'on prend un probe cette fois-ci. Oui, il va y avoir, ça va être une mission avec personne dedans. Et en fait, ce que je vais faire la plus grosse perte d'argent que quelqu'un aurait pu jamais faire dans son programme spatial en faisant des éléments structurels high-tech. Bon. C'est pas nécessairement des éléments structurels high-tech seulement, c'est aussi des trucs de communication. Parce qu'ils ont des petites antennes. Maintenant, vous voyez ça, vous êtes comme « Wow, what the poop ?» Genre, à partir d'ici, c'est correct. Là, à partir de là, c'est comme « Wow, what the f... » Mais premièrement, j'ai oublié de mettre quelques petites choses. Comme par exemple... J'ai oublié de mettre du SAS. Eh oui. Non, du SAS. J'ai oublié de mettre une batterie qui va être très utile vu qu'on a un probe qui fonctionne sur batterie. Ensuite, j'ai oublié de mettre du RCS. Voilà. Et j'ai oublié de mettre des trucs de RCS. Voyez à quel point je me prépare pour ces vidéos. Mais sinon, sérieusement, aujourd'hui, on a une grosse mission à accomplir. Porter des branches de communication. Maintenant, vous voyez ça, vous êtes comme « What ?» En fait, je sais pas si vous connaissez des mods pour Kerbal Space Program où il y a comme des espèces de grosses enveloppes qui fait tout séparer. Mais moi, j'ai voulu faire ça, mais sans mod. Parce que voyons, quand même. Il y a personne, voilà. Hey, Jebeda est revenu. Yeah! Awesome. Anyways. Donc... Là, on va faire nos groupes d'action. Groupe d'action numéro 1. Déjà là, comme toujours. Groupe de... Là, par exemple, je fais fonctionner ces moteurs. Mais je les fais fonctionner. Je vous dis pas à quel point je suis déterminé à les faire fonctionner correctement. Donc, en fait, le plan de match ici, c'est ces affaires-là pour séparer les affaires. Puis là, on a les quatre poutres qu'on va
faire docker une à une. Oui. Ça fait 4 dockings en un épisode. Oh oui! Parce que chez Faxi, parce que ici, on prend des bouchées doubles. Anyways, donc ça c'est... Ploup, ploup, ploup. Ça c'est ces affaires là ici. Et on veut les faire aller en même temps qu'ils séparent run. J'allais tester. Et ça marche très bien dans l'atmosphère. Alors dans le vide intersidéral, ça va marcher encore mieux. Du moins, c'est la théorie. Voilà. Le launch stage n'a pas changé. Juste cette partie-là qui a changé un peu. J'ai mis un peu moins de fuel. Si je me souviens bien, on avait plus de fuel la dernière fois. Je sais pas si ça va aller moins bien à cause de ça. Il me semble qu'on avait du leftover la dernière fois, mais bon. Donc, comme je disais cette fois-ci, je suis simplement déterminé à faire fonctionner cette affaire-là. Donc, ça va être ça, puis ensuite ça va être ça. Allez. Tellement déterminé qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que ça. Deux, c'est pour aller à l'avant, donc activate, shut down, et trois pour reculer. Donc, activate, shut down. Bon. Voilà. Alors, parti. Voilà. On est bon, on devrait être bon. Fait que, allons tester ça. Pom, 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 me demandais c'est combien de temps je pouvais tester ça. Rester à faire ça. Bon. On va aller, comme vous voyez, c'est un probe. C'est-à-dire, il y a de la charge électrique. Il y en a beaucoup. Donc, on devrait pas avoir à s'inquiéter beaucoup à propos de ça. Donc, on va essayer de faire comme l'autre fois. Cette fois-ci, par exemple, il y a des lumières et ça va être plutôt facile, donc. Donc, on veut toggle game ball avec 1. Certain que ça l'a fait. Non, ça l'a pas fait. Ok, c'est bon. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. Left off. Bon. C'est plutôt une... C'est vrai que c'est une mission un petit peu spéciale vu qu'on va docker 4 choses en une seule mission. Mais au fait, si vous avez... je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai en effet mis un... Donc ça, il va falloir le dropper bientôt. Je n'ai pas mis de parachute sur le probe, parce que s'en fout des probes. C'est l'histoire de la vie. On se fout des probes! Des probes, des ordinateurs, excusez-moi. Anglicisme spotted. Oh no! J'ai complètement oublié de mettre du SAS au bord aussi. Disons qu'il y avait assez d'un tank de RCS, de deux batteries, oui, deux batteries, parce qu'on prend pas les... parce qu'on prend des bouchées doubles. Chez Friends and Stars. Et un module de communication, ainsi qu'une probe dans chacun d'entre eux. Ou ben un ordinateur, oh, peu importe, lâchez-moi les baskets avec ça. Ça serait peut-être comme pratique qu'on puisse... ok, on va... Ça devrait marcher, non, ça marche, c'est bon. Ah, ça l'a brisé... Non, ça s'est brisé tout seul, c'est bon, c'est correct. Donc, on va essayer... On va espérer qu'on arrive correctement, parce que ça a l'air... Ça se peut très bien qu'on manque de fuel. Ouais. C'est vraiment la seule mission à date
pour laquelle j'ai peur. Qu'on manque de fuel. Quoique, on en a quand même beaucoup. Donc voilà, on monte notre apogée, on monte notre apogée. Toujours monter de l'apogée. Pom 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 pom. On a franchi la limite du 1 km/s. Je sais vraiment pas si ça, ces affaires-là, ça aide l'aérodynamicité, si vous voulez mon avis, pas vraiment. En tout cas, une chose est certaine, ça fait en sorte, ça fait comme une cage de protection pour le payload parce que il va beaucoup moins loin. Il s'énerve beaucoup moins lorsque ça, donc c'est déjà ça. Donc, notre apogée arrive à notre orbite de la station spatiale, Carbone National, et stop. Ok. Il reste un petit peu de fuel dans notre truc principal. On est entré dans le 70 000 mètres, comme on laisse entendre la musique. C'est à Stargate, on voit qu'on arrive quand même plutôt proche. Mais pas vraiment, mais... Non. Oups. Un intersect de 16 km, peux faire mieux? Peux-tu faire mieux? 8. 7. Oups. 8.8 à chaque tour. 9.2. 8.8, ça va être bon. Donc, 700... Oh boy. Envoyer le RCS ici. Je savais pas que ça fonctionnerait quand même. C'est plutôt pratique. 700 delta V. 33 secondes. Vous savez quoi? Stop, stop. Ok. Juste pour dire... qu'on en a mis un peu. Donc ça va prendre 33 secondes. Apparemment. On va speed up jusqu'à ce que il reste quelques 15 secondes. Ok, go. Oh sa mère. On va pas en avoir assez. Non, définitivement pas. Ok, c'est pas grave. Donc, ça. Comme vous voyez, qui marche très bien. Et ça. Go! J'espère vraiment avoir assez de fuel. Vraiment. Vraiment. Ces moteurs-là sont pas très puissants non plus, mais bon. J'aurais-tu utilisé les moteurs nucléaires, merde! Mais on a sûrement assez de fuel quand même. Ouais, lorsque j'y pense, on en a définitivement assez. Bon, voyons. Séparation. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et... faut pas le rater. Non, non. Oh, fais chier. Oh, well. Ah, peut-être qu'on peut
pointer dans l'autre sens pour essayer de se rattraper. Voyons si ça marche. Donc ça serait par ici. Ah, fait chier. Ah! Oh mon dieu, ça c'est vraiment un film. Donc, voyons si ça fonctionne. Donc, c'était 3 pour changer de bord? 3? Alright! Ça marche! C'est génial. Donc. Oh. Oh, ça utilise juste lui! Oh, je spawn. Donc, alt, ça, in. Pourquoi c'est si long, putain, je déteste. Bon, mais ça nous fait quelque chose à faire. Prochaine fois, faites-moi penser. In. C'est chiant faire ça. Quoique notre rencontre, il va falloir qu'on fasse un orbite complet avant. Fait que, voilà. En fait, c'est pas super. Ça me fait quelque chose à faire. Non, c'était pas fini, salaud. Non. Rage. In. Non, oui, c'était fini. Salaud. Out. Ugh. C'est long. Pourquoi pas faire ça plus rapidement? Squad, s'il vous plaît. Quoi qu'en même temps, j'imagine que ça donne plus de précision contrairement à l'autre. Anyways, donc, voyons, on a enlevé notre affaire et donc on voit bien nos 4 modules de communication qui sont là. Ils sont tous là. Oh boy. J'ai hâte de les docker les 4, ça va être drôle. Donc, speed up. Yeah. Ok, là il va falloir redescendre à une vitesse normale dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est dans une minute. Peut-être que je pourrais me rapprocher. On va vraiment pas vite par rapport à notre target, fait que... qui est quelque part là. Donc. Ok, c'est bon. Et on va vers notre target. Donc, vu que ça c'est là, on s'imagine que le truc est de l'autre bord. Donc, on va faire ça. Oups! Par là, toi. Par là. Oui, par là. Par là. Oui, parfait. Peut-être un petit... voilà. Ok! Oh boy, dans 5 minutes. Et n'oublie que t'es fait qu'on va aller plus vite. On est quand même à 12 km. Go! Plein moteur! Nya! Peut-être qu'est-ce que je fais à niaiser descendre. J'ai juste à taper un bouton et voilà. Oh boy, c'est pas de faire essence. C'est pas trop vite. Oh, légèrement.
1,4 km. Ok, stop, 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 stop. Non, non, non. Imbécile. 3. Oups, on s'éloigne. Tabarne. Deux. Si on s'éloigne ou on se rapproche? On s'éloigne. News! Sérieux. Yeah, get in there. Deux point deux, encore. Un point trois. Ok. 1,3, c'est bon pour moi. Donc, voilà. Et on va se rediriger vers notre target, encore une fois. On appuie sur 2. Et on se rapproche. Ok. Attention. 3. Oups. Non. 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 Bon, c'est pas mal ça, hein? L'histoire des rendez-vous, c'est vraiment ça. Oh oh. Fuck. Go! Ok. Non, 1,2. Et 3. Et ralentir. Zéro point un. Passer à mon goût. Wow. Oh fuck. Mauvais bouton. Ok. 0,0. Ah, c'est ça que j'aime voir. Donc on approche de la station spatiale Carbon National. Et maintenant, la partie, comme qui dirait, tricky. Ça va être d'essayer de se garder en chemin. Ok. Donc,
On veut se rapprocher en docking. On veut se rapprocher le plus possible. OK. OK, donc. Disons que ça, c'est plutôt stable. On va en decouple node. Attends, non, OK. Pour moi, on va essayer de trouver la boîte que j'ai clippée à travers. Oh, come on. Vraiment. J'aurais pas dû clipper à travers. Oh well. Decouple. OK. Non. Non. Oh my god. Faut que je switch à celle-là. Ah. Non. OK, donc ça va être au Space Center qu'on va tout arranger. Ah ouais, d'accord. Je disais donc, en effet, c'est au Space Center qu'on va enregistrer ça. Et on va... Je crois que c'est la bonne, celle-là? Ça se peut-tu? Oui! Enfin! God! Oups. Voilà, ça va être bon, ça. OK. Wow, génial. Oups, non. Descendre. Monsieur, il dit descendre. OK. Ah, oh, c'est tellement sensible, les contrôles, sérieux? Non. Ah. Non. Bon. Ah! Fait chier. OK. Le problème, c'est qu'il faudrait comme au plus possible de la côté comme ça. Essayer de le faire tourner un petit peu là. Oh mon dieu, le contrôle est super smooth. Mais oh oh, je crois qu'on a notre bonne entrée là. Allez. Allez. Non. Oh fuck. Je suis rentré dedans. Merde. Excusez-moi pour le gros mot. OK, c'est bon. Go. On retourne. On réessaye. Allez, on est capable, on est capable. Non. Pourquoi je fais jamais les bonnes commandes? Sérieux. C'est comme une obsession chez moi. Ah, oh boy. Non, l'autre bord. Oui, comme ça. OK. S'il vous plaît, ne fais pas foirer ça. Compris, GG? Lorsque monsieur dit fais pas foirer, ça veut dire fais pas foirer ça là. Ugh. Par là. Par là. Par là. Par là.
Par là. Par là. Par là. Par là. Par là. Go. Non, pas par là. 4 Dawking, les amis. Ça va être amusant. Surtout que c'est vraiment pas comme le bon angle. Je me souviens le premier Dawking que j'ai fait, Chris. Oh! Oh! Chris! Pile poil! Donc. Oh! Oh oh. Kerbin. Mon. Non. Ah! Non! Oui, c'était ça! Voilà. Whatever. Ok. J'ai tellement foiré. Donc, switch to. Decouple node. Ah, fait chier. Ok. Shift tab. Non, non. D'accord. C'était pas shift tab. Ok. C'est quoi ça, putain? Oh boy. C'est ça. Anyways. Donc on va utiliser ça pour se mettre là, pour avancer. Maintenant on est à la lumière du jour, donc ça doit être légèrement plus simple. Allez, let's go. Fais pas ton paresseux. Wow, on va pas trop vite par exemple. Ah. Noops. Noops. Noops, 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 noops. Noops. Cancel la vélocité. Cancel, quand même. C'est la Stargate. Ok. Donc. On va tourner du bon bord. Voilà. C'est bon. Je rappelle que ces trucs sont des éléments structurels. Oui, des éléments structurels. Complètement. Juste des éléments structurels. Et que j'ai investi un milliard de dollars dessus. Non, sérieux, c'est vraiment con. Je fais pas très bien les budgets. Allez. Allez. T'es capable. Go, go, go. Go, 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 ram it in! Allez, oui! Oui! Yeah! 2 sur 4! Oh oui! Ok, maintenant que je sais comment faire ça, ça va être plus de fun. Decouple. Ok, donc si je me souviens bien, ça va être ça. Ouais! Je commence à prendre l'habitude, ok? Allez, let's go! Allez, allez, allez. Ok, stop, 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 stop. Non. Oui. Oui. Complètement. Non. Ok. Non. Tourne. Tourne. Oui, c'est ça. T'as tout compris. Bon. Ok. Avant, arrière. Non, ok, c'était trop.
Avant. C'est vraiment les touches sont vraiment, vraiment pas les bonnes. C'est pour ça que j'ai des difficultés en ce moment. Et encore, je ne suis pas modeste. Donc. Oups, 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 oups. Rentre dedans! Oups, non. Peut-être une mauvaise idée de rentrer dedans finalement. Allez. Non, d'autre bord. Non. No. No. Oui. Ram it in. Fuck. Oui. Je commence à l'avoir là. Ah ouais. Can do this all day. Oh yeah! Non, juste vérifier une affaire. Ok, ils sont tous installés de la même façon, c'est génial. Donc. Et le dernier. Découpler. Non. Ouais! Allez! T'es le dernier, let's go! Wow! Trop vite! Lui, c'est le plus dur parce qu'il faut le crisser derrière. Il va un peu trop vite à mon goût. Oh well. Sérieux, c'est chiant là. Peux-tu juste genre avancer puis bon. Ok, donc. Et là, il faut le tourner. Du bon combat. Voilà. Ok. Et maintenant, il faut qu'il fasse un 360. Ok. Ensuite, il faut qu'il se baisse un petit peu. Voilà. Et peut-être une petite rotation. Voilà. C'est bon ça. Non. 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 Ok. Baisse. Baisse, baisse. Avance. Target. Avance. Monte, monte, monte. Sur le côté, putain. À l'avant. Ouais, je commence à l'avoir là. Moi, je veux que ce soit le dernier. Ce qu'il croyait qui était impossible. 4 docking en une vidéo. J'espère qu'il enregistre le son. Ouais. Donc, 4 docking en une vidéo. Ce qu'il croyait impossible est devenu vrai. J'ai réussi. Bon. C'est pas tout, mais on veut pas des débris, pas trop de débris orbitaux, fait que. Là, ça va être un peu plus chiant. Est-ce qu'on a beaucoup moins d'air? Oh, ouais, surtout qu'on est en docking. Bon, merci. Non, d'autre bord. Déjà dit d'autre bord, voilà. Et on baisse notre apogée, notre périgée.
Et on va pouvoir admirer le magnifique spectacle de cette chose en train de se faire éviscérer par le sol. Et voilà! Speed up! Et on n'a plus besoin de toi, saloperie. Crève! 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 Ah. Allez! Crève! Je veux te voir crever! Oui! Crève! Crève! Ah. Dans les montagnes! Crève, saloperie! Tracking station. Bon. Maintenant qu'on a fini, on a notre station spatiale Carbon National avec sa nouvelle acquisition d'éléments structurels pratiques. Et en fait, sont plutôt pratiques parce que voilà. En fait, non seulement, comme vous avez vu, ils peuvent servir de missiles, mais ils sont aussi assez pratiques d'une autre façon. Premièrement, vu que c'est le nom de la mission, on a des trucs de communication. On en a un sur chacun. Allez. Pas peur. Voilà. Et on a des géants panneaux solaires. Wouhou! Bon, si vous voulez mon avis, c'est pas très efficace d'en mettre. Non! Bon, anyways. C'est pas très efficace d'en mettre un à chaque, mais bon, je suis allé avec symétrie, alors voilà. Et c'est ça, et maintenant on peut faire accoster des gros vaisseaux. Et donc le prochain épisode, vous savez pas mal ce que ça va être, ce que ça s'enligne pour être. En effet, ça va être une espèce de méchante de... Ça va être un refueling station. Et on va fermer l'échelle parce que ça sert plus à rien. Vraiment, plus à rien. Allez, ferme-toi échelle. Voilà. T'as tout compris. Yeah! Et voilà. C'est à présent notre station spatiale Carbone National. Achievement get! 4 dockings en un seul épisode. Essayez de battre ça chez vous. Je crois que ça serait pas dur à battre. J'aurais pu en mettre genre une dizaine. Puis je les empiler une après l'autre. Là là. Donc Bob, Gen Gun et Bart Cass, qui sont les Kermans les plus peureux au monde. Ils sont là, et voilà. Donc c'est ça, c'était Monsieur Jeje avec Friends and Stars. À la prochaine!